la semence de Dieu ne mourra jamais. La semence de Dieu ne mourra jamais. La semence de Dieu ne mourra jamais. La semence de Dieu. Saoul, le fils de Kis, était roi en Israël. Étant choisi par le peuple, il devait régner sur eux. À vous, prédicateurs de la Bible, Saoul n'est pas un homme perdu. N'allez jamais enseigner que Saoul est un homme perdu. Car le prophète Samuel lui avait annoncé: Saoul, ô roi Saoul, ce soir tu me rejoins. Saoul, ô roi Saoul, ce soir tu me rejoins. Remarque, il ne pouvait pas mourir sans jamais le rencontrer. Il ne pouvait pas mourir sans jamais le rencontrer. Sans rencontrer l'Éternel, ne mourra jamais sans rencontrer. L'Éternel ne mourra jamais. Oh. Ésaü et Jacob étaient tous issus d'Isaac. Jacob supplanteur, Ésaü travailleur. Jacob pleurnichal, Ésaü courageux. Selon la pensée de l'Éternel, il était parlé de Jacob. Selon la pensée de l'Éternel, il était parlé de Jacob. L'Éternel lui avait dit: tu es prince devant moi. L'Éternel lui avait dit: tu es prince devant moi. Remarque, assis dans mon pays, tu m'as racheté. J'étais assis dans ce monde, tu m'as ramené à tes pieds. Peu m'importe les souffrances, mon ancre est en Jésus. Même si mon bateau tangue à gauche, je sais que l'ancre tiendra bon. C'est pourquoi je confesse, je ne mourrai jamais. Pourquoi je le confesse, je ne pourrai pas mourir. Sans rencontrer l'Éternel, ne mourra jamais. Sans rencontrer l'Éternel, ne mourra jamais. Sans rencontrer.